on te connaît surtout pour ton travail d'illustrateur, Benjamin. Là, c'est une BD, c'est pas une première, je crois, mais comment est venue cette idée de passer vers la BD et comment s'est réalisé ce projet? Bah en fait, c'est un peu le contraire, parce que comme tu le dis, au tout départ, j'ai commencé par de la bande dessinée. Je voulais vraiment faire de la bande dessinée. Mon premier livre que j'ai signé quand j'avais 18-19 ans, c'était une bande dessinée. Bon, c'était un peu une erreur de jeunesse, hein. J'étais pas très content de cette BD, mais bon. En tout cas, ça m'a permis vraiment de rentrer dans l'édition, et le goût de la BD, l'envie de la BD n'était pas partie, mais simplement, je me suis bien rendu compte en faisant ces deux premiers tomes de cette bande dessinée à l'époque, de l'espèce d'énorme amont de travail que ça représente de faire une bande dessinée. Et de cette expérience, voilà, il a fallu 10 ans pour que j'ose m'y reprendre. Et en fait, c'est effectivement suite à la rencontre avec Paul et chez Goyen, qui travaille sur cette bande dessinée avec moi, parce que j'avais cette idée de travailler autour de Léonard de Vinci depuis longtemps. Et en voyant son travail, en voyant qu'il y avait une connexion lui aussi avec Léonard de Vinci, j'ai eu l'envie de lui proposer qu'on la fasse à deux. J'ai vu au détour de son book des machines, il avait repris des machines de Vinci. Et alors, c'est comme ça que je lui ai proposé cette histoire que j'avais en moi depuis longtemps et qu'on est parti là-dessus. Alors, comment ça s'est passé? En fait, j'ai fait le scénario, je fais un découpage, un storyboard assez précis. Paul est là avec moi quand je le fais. Ensuite, il repart avec le storyboard. Il fait les crayonnés des pages. Après, je reprends ces crayonnés de décor uniquement. Je remets les personnages là où ils devaient être. Parfois aussi, je corrige un petit peu parce qu'ils ne suivent pas parfaitement ou il y a des petites choses au niveau de la stylisation. Je fais le trait final, décor et personnage. Je mets les couleurs et après, on scanne et on intègre les bulles. D'accord. Tu l'as dit, De Vinci, enfin en tout cas dans ton album, est montré à l'opposé de l'icône habituelle. On n'est pas sur le vieux barbu, on n'est pas sur le sage. C'était vraiment presque le point de départ de casser l'image de Vinci. C'est pas casser, c'était de remettre de raconter sa vie et de raconter, en fait, si on lit ses écrits, si on lit le codex, on a une idée très précise de la personnalité de Vinci et de ses convictions. Je veux dire, quand il dit des choses telles que un jour les hommes seront jugés, les hommes qui tuent les animaux seront jugés comme ceux qui tuent les hommes, bon, bah, c'est clair, c'est un végétarien et il est convaincu, et c'est un point de vue quand même très arrêté sur la question à une époque où c'est pas du tout un point de vue répandu comme maintenant. Et quand on voit aussi, quand on lit ce que ses contemporains disaient de lui, clairement, ce n'était pas ce vieux barbu. Le vieux barbu, il est devenu que les 4 dernières années de sa vie, enfin même les 5 dernières années de sa vie, après qu'il ait contracté. C'est quelqu'un qui n'était jamais tombé malade. Il était toujours en pleine forme. C'était quelqu'un qui était très grand pour l'époque. Il culminait tous à 1m65-70. Il était au-dessus d'1m80. C'était un grand type, blond, athlétique et très très beau. Je veux dire, les mots sont clairs, hein, le plus bel homme sur Terre. Hein. Donc c'est... Bon, a priori, donc c'est vrai que quand je l'ai représenté fidèle en fait à ce que j'ai lu de lui et à ce qu'on pouvait percevoir même de ses propres écrits. Un personnage très flamboyant. Pas du tout, cette image que peut renvoyer ce portrait, dont on n'est pas sûr d'ailleurs que ce soit un autoportrait, c'est-à-dire de cet homme sage, posé, très calme. Il ne m'apparaissait pas du tout comme ça. L'idée n'était pas de casser le mythe, l'idée était simplement de raconter son histoire et son histoire personnelle, finalement quelque chose que peu de gens racontent et qui ont été un peu cachés par l'Église et par aussi les gens qui ne voulaient pas que sa personnalité, qui était singulière, masque son œuvre. C'était la volonté de ce livre, c'est-à-dire parler finalement au-delà des œuvres de Vinci, au-delà du mythe de Vinci, parler de l'homme, des difficultés qu'il a eues et qui nous interroge, nous, par rapport à l'actualité. Alors ça, ça a été un petit peu le fait du hasard, c'est-à-dire effectivement c'était un homme qui aimait un autre homme et qui a eu beaucoup de difficultés à cause de ça, qui a vécu des procès, qui a eu du mal à vivre sa sexualité librement, parce qu'en plus il travaillait pour l'Église, et c'est aussi un artiste qui devait vivre de son art, et tout de Vinci qu'il était, on voit toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Donc quelque part, en forme de miroir, ça, voilà, ça nous explique pas mal de choses. Et ça nous explique aussi, ça nous éclaire beaucoup de choses sur son œuvre. Alors on va parler un petit peu plus dessin, un peu plus graphisme.
Quand on lit la BD, il est évident qu'il y a une, enfin, on imagine une documentation très présente, très forte. Tu confirmes ? Ah oui, non, bah, à partir du moment où on travaille sur un personnage historique, une période prédéfinie, et en plus, effectivement, on ne parle pas de n'importe qui, puisqu'on parle de Vinci, il y a une iconographie quand même très présente. Après, c'est une chance, on parle du Quattrocento, on parle d'une période de l'art qui est l'une des périodes les plus fastes et reconnues. On a moult documentations sur le Quattrocento. On ne manquait absolument pas de documentation, ni sur les costumes, ni sur les décors. Peut-être plus sur les décors intérieurs. Parce qu'en fait, Paul pourrait le dire mieux que moi, mais sur les décors intérieurs, finalement, on se rend compte que dans la documentation, on montrait beaucoup au Quattrocento, dans les peintures, effectivement, les grands bâtiments, les fêtes extérieures, les châteaux, etc. On montrait moins la vie des gens de tous les jours, les intérieurs des gens de tous les jours, les intérieurs des ateliers des artistes. Ça, c'est quelque chose qu'on représentait moins. Donc là, c'est un tout petit peu plus difficile. Mais pour le reste, vraiment, on ne manquait absolument pas de documentation sur ce livre. Alors, l'univers coloriel de la BD est assez particulier. D'un côté, tu utilises beaucoup d'ocre, beaucoup de camaïeu comme ça, en couleurs presque uniques, mm-hmm. dès qu'il s'agit de raconter le quotidien. Alors, j'imagine que c'est un rapport avec les carnets de Vinci où on voit ce genre de couleurs. Et puis, à côté, tu as des représentations à ta sauce, à ta façon, des tableaux de Vinci qui, eux, éclatent complètement dans l'univers. C'est vraiment des bulles respiratoires. C'est presque des... Oui, c'est la bulle, c'est le côté presque extraordinaire de la peinture. En fait, l'idée, c'était la partie narrative, c'est-à-dire la partie bande dessinée, découpée. Je voulais effectivement qu'elle rappelle le codex, les carnets de De Vinci. Donc, il y a toute cette ambiance de camaïeu, de sépia, de grisaille, de violine, etc., qui rappelle effectivement les carnets de De Vinci, le vieillissement aussi du papier. Et pour moi, ça évoque aussi, dans ces couleurs un peu chaleureuses, terre et tout, et jaune, ça évoque l'Italie, avec ce soleil, avec cette chaleur, etc. Et c'était un principe aussi, pour moi, la bande dessinée, je ne voulais pas faire que, avec ma technique d'illustrateur habituel, des peintures et que chaque case soit une peinture. Je ne voulais surtout pas faire ça parce que, pour moi, une narration, c'est comme une écriture. C'est-à-dire qu'on doit la lire, vraiment, la bande dessinée. On ne doit pas l'admirer. Ce n'est pas comme une illustration, c'est différent. C'est-à-dire qu'on doit être dans une narration continue, une succession. On ne doit pas buter, en fait. Donc, en fait... avec cette assise comme ça de couleurs un peu limitées et de techniques voilà un peu plus légères, ça permet vraiment d'être dans la lecture et d'être dans quelque chose qui va pas gêner en fait le lecteur, mais voilà, il va vraiment rentrer dans l'histoire. Et en revanche, un petit peu comme pour chapitrer, parce que ça doit être mon côté un peu effectivement de la littérature plus générale ou de l'illustré, j'avais besoin de chapitrer les moments. Et donc, il y a des grandes peintures qui s'étalent en double page, qui sont effectivement parfois des réinterprétations d'œuvres de De Vinci ou parfois des choses qui sont plus oniriques, symboliques en fait du moment et comme pour clore un peu les scènes qu'on a vues. Et qui ont une autre narration, effectivement une narration plus symbolique, sur laquelle on peut s'arrêter. C'est effectivement comme des respirations. En fait, à chaque fois qu'on a vécu un moment un peu de l'histoire, on s'arrête. Là, effectivement, on peut traîner dans les détails de ces peintures-là qui sont plus travaillées, qui sont à la gouache et à l'huile, alors que le reste de la bande dessinée est à l'aquarelle et à la pierre noire. Et donc, ça permet voilà, d'avoir une double narration, une narration plus symbolique, et puis des respirations. C'était une idée un peu folle au départ, parce qu'au départ, pourquoi il y a eu cette idée de reprise, c'était pas de dire oh, je vais reprendre De Vinci, c'était dans le livre, je voulais que les œuvres de De Vinci apparaissent, je voulais que tout l'univers graphique soit cohérent. Donc, si j'avais simplement inséré les œuvres de De Vinci comme ça, les deux graphismes se seraient opposés, ça aurait eu un côté un petit peu étrange, ça aurait été, vous savez, parfois dans les dessins animés, ils mettent des films ou des choses, et puis on a une espèce de recul comme ça, parce que là, on sort en fait de cet univers qui est entièrement créé et on a un retour au réel qui gêne, en fait, qui nous fait sortir en fait de l'univers. Donc, je ne voulais surtout pas ça. Donc, dans ce besoin de cohérence, j'ai voulu remettre les trucs. Alors, je l'ai fait avec le plus d'humilité possible. C'est-à-dire, évidemment, je ne me suis pas dit... voilà, je savais très bien que c'était peine perdue. Dès le départ, j'allais essayer voilà, de me rapprocher et d'évoquer De Vinci. L'idée n'est pas de repeindre ou de refaire,
comme De Vinci, parce que c'était impossible. Voilà, c'est De Vinci, c'est De Vinci. et c'était, voilà, moi, en plus, c'est même pas la même technique que j'ai utilisée. C'était des formats beaucoup plus petits. L'idée était plutôt simplement de rendre hommage, de préserver effectivement une cohérence dans le style, et parfois aussi de se servir de certaines de ces compositions pour délivrer parfois des messages. Par exemple, à Sainte-Anne, j'ai changé, j'ai pas mis Marie, Madeleine, Jésus, etc. J'ai mis Léonard, Salaï, donc son amant et donc un enfant. Donc c'est un petit peu, voilà, ça raconte aussi autre chose. Voilà, c'était l'idée. Et c'est vrai qu'au départ, c'était un point de départ. À la réalisation, ça a été très difficile parce que quand il faut faire la scène, c'est un panneau qui fait 9 mètres normalement. Moi, mon original, il faisait moins d'un mètre. Ça a été difficile. J'assure que pour arriver à ne serait-ce qu'arriver à rendre hommage et voilà, à ce qu'on puisse reconnaître et comprendre, c'était pas facile.